Bonjour à toutes et à tous, c'est Geeky. Aujourd'hui, nouvelle vidéo gameplay sur la chaîne avec mon rallye de combat de la semaine qu'on a réalisé ce jeudi en stream. Donc on l'a réalisé avant la sortie de Silver Néomètre et Tir Nocif. Donc vous allez voir que dans cette semaine pour le rallye de combat, j'ai eu des combats avec le combo accélérateur et attaquant. Mais étant donné que Silver et Tir Nocif n'étaient pas encore sortis, eh bien je ne l'ai pas utilisé. Et puis aussi j'avais voulu faire le rallye avant. Parce que imaginez, j'attends la sortie de Silver pour faire le rallye et au final j'ai pas les bonus pour lui. Bon. Voilà, j'ai préféré faire le rallye avant. Et puis au moins ça vous donne aussi du contenu pour aujourd'hui. Concernant la vidéo, vous aurez vers l'étage 2 et 3 un aperçu du site de Bribri pour les différents sets, qui a eu une petite mise à jour. En effet, maintenant on peut trier les différents sets avec les bonus qu'on a eu dans le rallye de combat. Ça permet d'un petit peu plus réduire le nombre de sets que l'on peut avoir, et justement de cibler les différents bonus de rôle que l'on peut avoir pour le rallye de combat. Et aussi, dernier point concernant cette semaine de rallye de combat, à l'étage 10, nous avons fait le difficile au lieu du très difficile, mais on a fait le difficile sans utiliser d'objet. Vous verrez que cette run on l'a fait vraiment sans utiliser le moindre objet, en tout cas sans acheter d'objet dans la boutique, et on est tombé sur Charline et ses vipères. Alors Charline et ses vipères, c'est un combat ultime qui n'est pas encore sorti actuellement sur le jeu, mais Charline et ses vipères, c'est un combat où si vous vous faites empoisonner, vous allez mourir extrêmement rapidement. Sauf que au delà de ça, vous avez juste à mettre immunité empoisonnement sur vos duo alliés, ou alors de mettre dans votre équipe Galopa et Atta talent nouvel an. Et en fait avec le talent immunité coach empoisonnement, ça va protéger vos duo alliés de l'empoisonnement. Et en fait, à partir du moment où vos duo alliés ne peuvent pas être empoisonnés, le combat est relativement facile, parce que les adversaires vont surtout se reposer sur le poison qu'ils vont vous infliger. Mais étant donné qu'ils ne peuvent pas vous l'infliger, et vous verrez que au niveau des stats défensives, ils sont pas si résistants que ça, et au niveau des stats offensives, et ils feront vraiment pas beaucoup de dégâts. Donc vous verrez que dans ce combat ultime, dès le moment où vous empêchez l'adversaire de vous empoisonner, la victoire est assez facile. Après aussi, il ne faut pas oublier que les combats ultimes que vous croisez dans le rallye de combat sont des combats boostés par le bonus du rallye de combat. Donc le combat ultime de Charline et ce vipère, quand il sortira plus tard, sera un petit peu plus accessible. Donc vous allez voir que c'est vraiment pas un combat très difficile. Et si un jour dans le rallye de combat vous avez à l'étage 10 en très difficile Charline et ce vipère, vous mettez immunité empoisonnement en talent surprise à vos duo alliés, et vous allez voir, vous n'avez pas besoin d'acheter la triomphe pomme et le combat ne vous posera pas de soucis. C'est tout pour l'introduction de cette vidéo. Je vais vous laisser avec les gameplays qu'on a réalisés cette semaine en stream. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu une fois que vous l'avez terminé, bien évidemment. Mettez un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu. Rejoignez dans la description le lien vers le Discord, la chaîne Twitch et le Google Doc de mes différents plateaux. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. C'était Geeky, je vous embrasse tous et je vous souhaite un bon dimanche. Ciao! Pourtant, un mariage d'un pote, il y a quelques mois, il avait un pote qui parlait que anglais. J'ai réussi à tenir la conversation toute la nuit, hein. Allez. Alors, Gloria Chiffon, ce qui est 70 d'énergie, hein. Il n'y a que ça de vrai. Voyez là le trépassable. Il est foutu. Ah putain, t'as pas voulu. Pas grave. On a ça. Oh, pas de CD, enfoiré. Allez hop. J'ai vu les vidéos et je confirme, au secours. Bien sûr, ça veut pas parce que j'ai mal positionné mon doigt. Titre. Oh wow! Staros qui esquive, incroyable! Allez. Bon, du coup. Pour le premier combat de merde. Putain. Du coup. Deuxième, on a soutien régisseur. Alors attendez. Tac, tac, tac. On met un petit plus ici. Ici, soutien. Ici, régisseur. On peut pas savoir. On peut pas savoir. Soutien régisseur. Dans les combats, c'est des triple Katy intake. Pas vraiment chaud sur ma chandise. Ah ouais, tu. Ah ok. Ok, bah justement, même pas 10 minutes avant d'en sélection, je me dis putain, est-ce que tu peux avoir 3 fois le même combat ultime? Apparemment, ouais.
Hop. Est-ce que tu peux apeurer? Oui. Bon, par contre, les récup PC sur le move dresseur, comme d'hab, bah, Inesia elle se touche. Hein. Rappel, récup PC 3 sur Motisma, c'est récup PC 0. Oh zut alors. Dans le doute. Oh, les stats d'Evoli ne baissent pas. Oh, c'est vraiment dommage. Elec, tu te calmes. Et oh, c'est un stream fait le exactement. Voilà. Du coup, qu'est-ce que nous avons? Attaquant accélérateur, nous avons le 7-8. Ouh. C'est vraiment pour montrer que la fonctionnalité existe maintenant. Du coup, nous avons attaquant accélérateur. Voilà, nous avons le 7-8. Il y a plein de modes de jeu. Hein. Il y a plein de modes de jeu, je peux le tester. Hein. Tu sais. Hein. Non mais à tout hasard, il y a un combat ultime faible aux attaques de type proche et il y a un combat ultime où la gimmick c'est de changer la météo. Juste ça, par exemple. Mais des solos d'AL, on va en faire, hein. Solo d'AL, on va en faire, hein. Solo sulfurant en 3 sur 5 reliex, ça peut le faire. Hein. Merci le Garrok. Toujours un plaisir. Bon bah merci Lucario, hein. Voilà, lui il est mouru. Si c'était pas trop l'objectif là. Merci pour le non-crit, hein. Voilà. J'ai une faiblesse roche au level 10. PPC juste sur combat, puis après t'as juste ça qu'on s'en bat les couilles. Hein. Bah ouais. Autant j'aime pas Tierno, autant ça serait mentir de dire que c'est, il fait pas partie des meilleurs scouts du jeu avec Sonia Voltoutou, possiblement. Hein. Tu as récupéré PC? Merci. Let's go, Selene la GOAT. Et hop. Oui, ah bah c'est dommage, j'ai fait un move dresseur. Ah oui, c'est vrai, il débuffe la def. Ouais, mon champ électrifié, je l'ai posé trop tôt au début.
Et qu'est-ce que j'aime Selene. LOL la paralysie. Allez finito. Le class moins fan de ce qu'il propose, mais c'est vrai qu'il est bon. Bah c'est ça en fait, Angelo. À part le slip, il fait pas. Enfin. C'est quand même sympa ses résidences et tout. Il est def. Et une fois que t'as claqué tout ça, bon. Ah voilà quoi, c'est slipbot. Allez, let's go. On va directement claquer le buddy move. Ah le D-max plutôt de raid. Comme ça on paralyse tout le monde et Violette peut faire son taf. C'est-à-dire debuff. On va peut-être du poser le choix électrifié avant, bon c'est pas grave. Les cas. Et là, autant te dire que c'est finito. Hop, petit debuff. Il flinch? Voilà. Là on va s'amuser un peu, on va reposer une zone insecte. De toute façon la grodrie va pas pouvoir faire grand chose hein. J'allais dire c'est avec Violette mais en fait ça sert à rien parce qu'elle est pas boost. Du coup enfin pas de crit, ça se trouve elle va pas tuer. Allez c'est finito. Voilà. On peut garder un team pour qu'on va suivre, c'est vraiment good. Bah c'est pour ça que moi je me sers du truc de bribri. Alors il y a des gens qui me disent oui Pomatools c'est mieux tout ça. Alors oui parce que Pomatools en fait filtre automatiquement et t'affiche directement les icônes. Mais bah en fait quand il y a un truc qui est proposé par un français, je préfère le mettre en avant d'abord. Voilà. La préférence nationale ici monsieur. Allez immunité tournoi altération. Ok, on commence sur un mauvais start. Oh, ça va. Est-ce que tu peux flinch, s'il te plaît? Oui! Toujours croire! La Glorial va oblitérer le boss. Hein. Skibolibond! Vas-y, est-ce que tu peux reflinch s'il te plaît? Voilà, mais voilà! Ce n'est qu'une épreuve de formalité, mais enfin! Voyons! Eusine, got, il tank, il flinch ce qu'il faut. Kyogre, il est là. Gloria, fait les dégâts! Voilà! Non, le talent de tyran, en vrai, il est good. Les dégâts sur tes attaques, t'en as assez. La seule chose qui peut te cuck, c'est le crit, la CD qui peut pas te crit.
sûr, hein. On en a jamais assez, hein. Oh, attends. Non, ça baisse la vitesse. Encore, ça baissait la précision. Putain, c'est la CD avec Crit. Endormir au carnage s'il te plaît. Alors j'avais pas cru carnage était issu de la 4ème génération, mais merci quand même. Understandable have a great day. J'ai pas joué assez de méthode subchain. Non. Pourquoi subchain alors que je peux debuff? Surtout me soigner. Oh, il est pas buff. Il a plus 6. Plus 14 pas, merci d'être passé. Ah bah là, ouais, là, tu slips au mauvais moment, quoi. C'était avant qu'il fallait slip. Là, est-ce que tu peux crit, s'il te plaît? Le slip de Meloité, il arrive toujours au moment où tu t'y attends pas. Bon bah merci hein. Ah là c'est mieux quand on crée, dis donc. Ah bien sûr là, bien sûr que là les adversaires. Normalement là je le sens mal. C'est pas ce que je pensais, ouais. Oh, l'esquive. On va en refaire un. Comme ça, avec de la chance, voilà, si on peut en endormir... Non. Mais bon là ils ont quand même été assez debuff, j'ai envie de dire. Normalement ça... Voilà ouais bon. Lucario prend des dégâts, normal c'est sa faiblesse. Oh Lucario je t'aime. Voilà. C'est ça qu'on veut. Pourquoi se faire chier à jouer un set berceuse sur Meloetta alors que j'ai des chances d'endormir tout le monde, que je peux setup des stats, que je peux debuff les adversaires et soigner Meloetta et donner des PBCS ou PBCP. Je trouve vraiment que berceuse sur le kit de Meloetta ne sert à rien. Je peux essayer Chris et Voltali. Ah, le problème c'est qu'il n'y a pas de Rolex en fait. C'est chiant. Ça le problème c'est qu'en fait j'aimerais bien maxer le combo. Ou alors je retire Cynthia, hein. Puis ouais je peux. En vrai, attends, bah écoute, je réessaye comme ça. En vrai, sur de l'esquive, ça se joue, hein. Nickel.
Hop. Là, ça sera peut-être mieux en effet. Oh, le récupé PC qui proc. Alors. Ok, parfait. Là, comme ça, c'est parfait. Merci le soleil qui part, c'est... Ça permet... Ok, pour l'instant ça se déroule très bien. Et la Leaf elle va bientôt finir avec sa CD. De toute façon, si les adversaires des côtés ils veulent se mettre à attaquer, bah les bouts de feu vont. C'est moi le seul. Une seconde. Pas le soleil sur ma CD? Pas possible, on peut plus se barrer. Au cas où, on va faire ça sur Leaf. Voilà, je me doutais bien que ça allait attaquer par là. Il n'y a pas de PPC, c'est pas grave. Je voulais sécure les points de vie de Sulfura au cas où un adversaire arrivait à taper. Et par exemple, Sulfura est faible aux attaques de type O par exemple, donc si le samouraï me touchait, j'ai risqué de prendre extrêmement cher. Ça va, on esquive. Ah mais Sulfura, calme-toi hein. Allez, c'est bon. C'était passé. Ah ouais, c'est une case de plateau, mais je comprends pas. Je me souviens d'avoir pris sur le plateau de Sulfura. Sur Sulfura, je prends cette case. Hein. Ah, moi, je pouvais pas parce que j'avais pas assez d'énergie. Je sais pas. Faut que je regarde, mais j'ai souvenir de la prendre, cette case. Plus 0 en défense physique, mais le état t'accueuc. Ouais, non, mais... Oh, laisse tomber. Attends, voilà un grand sage à 10, si c'est 5G c'est rincé, bah ils avaient raison quand ils parlaient de Meloetta. Hein. Je rigole, oh, c'est bon. Ah voilà, je me suis fait cug, vous voyez, j'ai pas pu apeurer le Onyx. Vous allez voir, là Onyx va m'apeurer. Onyx va m'apeurer. Onyx va m'apeurer, il va me cuck. Non, ça va. Peut-être soigner un peu Meloetta, de toute façon les potions. De toute façon c'est pas le problème. Ah, ça veut pas, hein.
Est-ce que tu peux booster la défense physique, s'il te plaît? Oh, on peut pas trop esquiver une CD, mais merci, merci. Je retiens. Non, mais plus d'or défense physique, ça tank, t'inquiète. Voilà, plus d'or défense physique, ça tank. Plus d'or défense physique, ça tank. Je vous ai. Vous voyez, c'est possible de Q avec Meloetta. Vous voyez, c'est possible de Q pour dans le changement de forme. Qui c'est qui a dit que c'était pas possible? Hein? M'en fous. Meloetta te tue. Voilà, Meloetta te tue. C'était pas toi? Non. Peut-être. Quel mec qui avait laissé. Oula. Et puis voilà. Zone 10 difficile, c'est hyper. Ok, minute d'empoisonnement. Ok. Ils ont immunité peur, d'accord, c'est bon à savoir. De toute façon, je peux pas me faire empoisonner. Ok, d'accord, donc en fait, ces vipères, c'est quand même assez free. Hein. Là, on va faire la CD de Cynthia. Ouais. Ouais, c'est free de fou. Bon, vous reprendrez bien un petit peu de poison, non? En vrai, non, on va refaire tant que VG Attaque est encore là. Et puis, au cas où, vraiment au cas où, si la CD décide de nous faire des dégâts, ce qui n'est pas le cas. Attends, So, je lis ton message juste après. J'espère que Cynthia aura dans son plateau, en talent surprise, un truc style immunité sable, augmentation des dégâts sous le sable. On va se passer un petit peu de la tempête de sable. Comme ça, Red, il va pouvoir continuer à faire son buddy move. Ouais, c'est free de fou. Non mais la vérité, c'est pas le combat ultime le plus facile en fait. Je crois vraiment que c'est le combat ultime le plus facile. Mais minute empoisonnement, c'est bon, c'est gagné. Après tant mieux, il en faut des. Parce qu'en vrai, un truc tout con, mais c'est le genre de mécanique. Tu te fais empoisonner, c'est la mort, tu te fais sucer ta vie, voilà, t'as plus rien.
Tu sais, dans le sens sensu, voilà, hein. Bande de gros dégueulasses. Mais dès que t'as enlevé ça, c'est fini, quoi. Oh, la immunité critique. Ah, et là, on a mes coups critiques garantis, là. Ça risque de faire un peu mal. Ah, mais en fait, Karchakrox, il faisait pas de crit. Il était pas plus 3 en crit. Bon, c'est pas grave. Le combat est fini. Finito, Cynthia fini. Non pas, légendaire en face. Tu connais pas le légendaire Solid Snake? Bon voilà. Bah autant vous dire, alors vraiment, un truc. Si dans votre rallye de combat, vous passez au niveau 10 avec en très difficile Charline et ce vipère, franchement mettez pas d'item et vous y allez la main dans le slip, hein, la vérité. Parce qu'en fait, ils font pas de dégâts. Parce qu'en vrai, ils sont boostés en soi, vu que c'est niveau 10 de rallye, mais en fait, ils font même pas de dégâts. En fait, le combat va reposer sur le poison. Vraiment. Vraiment, quand le combat ultime va sortir, je dirais juste, mettez immunité empoisonnement, bonne journée. Voilà. Du coup, bah, run entièrement no item. Voilà. Et j'avais pas le meilleur... J'avais pas le meilleur... le meilleur set.